Est-ce la famille? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'étape numéro 10 de ce Tour de France. Escale en Gordanie, Revel. Petite étape qui risque fortement de finir au sprint. Par contre, il y a un gros col dès le début. Col de catégorie numéro 1. On va le tenter direct avec Perrault. En tout cas, on lance tout de suite. C'est parti, la famille. Bonjour à tous, même si la présence du port d'Envalira dès le départ devrait mettre à mal la plupart des sprinteurs, on imagine que leurs équipes feront tout pour provoquer un regroupement général en vue d'une arrivée massive dans les rues de Revel, le reste de l'étape étant sans difficulté. Bien sûr, donc direct bim, col dès le début de la course, donc clairement, voilà, j'attends que la voiture dégage un petit peu et moi je vais attaquer direct avec Perrault, vu qu'après ça va être tranquille. Hein. Oula, par contre ils ont pas l'air de vouloir me laisser partir là, si? Ah bon, je préfère les mecs, je préfère. Donc ouais, il y a 10 points à prendre, je vais tout faire pour les prendre. Albassini qui m'a suivi. Morkov aussi. On peut pas le perdre aujourd'hui, c'est sûr. Mais on va essayer de prendre des points en plus, parce qu'on n'est pas à l'abri des autres derrière. Allez, 2 km, encore un peu plus de 2 km. On approche. On approche du col, il y a 10 points à prendre. Hein. C'est pas rien, c'est très important pour nous. Hein. Histoire de s'écarter un petit peu encore des autres, des poursuivants pour le maillot à poids. Elle est à 1,5 km, Albassini, j'ai l'impression qu'il va. Il va vouloir partir, non, pas tout de suite. Encore au pire, il y a 10 ou 8 points, hein, et vu qu'il n'y a pas de concurrent direct. Oh les enfoirés. Oh les enfoirés. Non. Il y en a certains qui tiendront pas. Putain, Vachon là, t'es sérieux ou quoi? Allez, là, Vautin, on va pas prendre 8 points, on prendra 6 points. C'est déjà ça, franchement. Attention, tac, 6 points. Wow, ça va, franchement, ça va, on va pas non plus hein, criser sur ça. C'est très, très bien. Donc voilà, premier code de la journée passé, on prend 6 points de plus avec Perrault. Et on peut voir que ouais, Albassini, il avait juste un point, donc bon, je comprends pas trop, mais bon, pourquoi pas. Elle a encore 2 km avant le grimpeur. On est 5 dans le groupe. Hein. Il y a Cancellara qui nous a rattrapé. Il y a un point à prendre là. On va essayer de le jouer. Bon, je suis pas sûr de pouvoir le gagner hein, vu qu'Albassini il va très très vite. Hein, ça attaque déjà. Hein. Les mecs sont vraiment. Ah, il y a Cancellara et j'avais pas pensé à lui. Mais Cancellara il est très très bon. Hein. Par contre, c'est pas un très bon grimpeur. Et là ça se voit. Là ça se ressent. Allez, un petit point ça ferait pas de mal. Hein. Albassini, bon, bah écoute, je te bloque mon pote. Je remets même un petit coup. Allez, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, petit Perrault, pour le petit point. C'est toujours ça de prix. Voilà, nickel. Un point de plus pour Perrault. Et le sprint intermédiaire arrive très vite derrière. Pour le sprint intermédiaire, je vais prendre Dumoulin. On va tenter. Quoique non, Dumoulin, je ne vais pas tenter là. Eh, quoique si. On va essayer de prendre quelques points quand même. Mais en tout cas, ça se passe plutôt bien pour Perrault aujourd'hui. Ça fait 6 plus 1, 7 points. Et il reste encore 2 points à prendre. Allez, on tente avec Dumoulin de s'échapper juste à la fin du col. Histoire d'avoir un petit peu de temps. Allez. Histoire d'avoir un petit peu d'avance quand même sur les autres. Parce que les autres, ils vont manger hein, après en vitesse. Il y a quand même 10 points à prendre hein, si je garde cette place. 25 secondes d'avance, même un peu plus. Ça pourrait suffire. Ça pourrait suffire, même plus. Ouais, on a pris quand même pas mal de temps là. Hein. 8 km à tenir, on va voir si ça va tenir ou pas. Mais ça a tenu, hein. Ça a tenu, on a 1 km d'avance hein, sur le peloton. Je sais pas si on les voit, si ils sont tout au fond. Ça va le faire. Donc ça va faire 10 points pour Dumoulin, c'est bien. C'est vraiment bien ça. J'ai même pas besoin de sprinter. Normalement, hein. Ouais, il n'y aura pas besoin. Bon, on les voit même pas en plus. Hein. Il n'y a pas besoin, c'est super Dumoulin. 10 points, j'ai eu raison de partir avant. Comme ça, on s'assure. Il y a eu Perrault qui a pris 11 points. Je ne l'ai pas joué avec lui, hein. Je l'ai laissé rouler tranquille. Donc derrière, ça fait du Greppel, Degenkolb, Christophe, Cavendish, Kittel, 5 points, ouais, Coca, etc. Demar. En tout cas, voilà, 10 points pris avec Dumoulin aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Alors, on est toujours avec le groupe d'échappés devant. On est à 40 secondes du peloton. On est à 2 km environ
du grimpeur. Et moi, je suis en train de me dire que là, on peut le faire. On peut le faire, nous cinq là, les cinq petits coureurs devant. On peut tenir. On peut tenir. Par contre, là, ouais, c'est chaud, mon pote Perrault là. Non, je vais peut-être pas prendre deux points là sur ce col. Si, on va prendre. Je vais tout faire pour essayer de prendre au moins un point. Attends, Vachon, il est là. On est passé devant tout le monde. Je suis au bord de la défaillance. Super, deux points. Et là, il reste moins de. Il reste 6 km environ. 6 km, on a 40 secondes d'avance. Par contre, moi je vais mourir. Je peux pas. Hein. Ah ouais, voilà, défaillance. Je pouvais pas. Alors, je vais changer de coureur direct. Je vais prendre. Je vais prendre Bardet, je pense. Hein. On va voir avec Bardet. Parce que Bardet, c'est un bon puncher. Ça roule vite là, quand même, dans le peloton. Hein. Pour sortir, faut vraiment être solide. Devant, il y a du monde. Je pense qu'il y a Perrault. Perrault, c'est le seul mec échappé devant. Il est là devant. Il va se faire rattraper par tout le monde. Là, on prend la route Gauthier. Voilà, Perrault est là. Dommage, Perrault, c'est pas passé loin. On est vraiment pas passé loin de finir en solitaire. Maintenant, on va jouer le sprint avec tout le monde. On va se jouer la place. Hein, le top 20 au moins avec Bardet. Parce que là, c'est mort. Hein. Pour s'échapper, je pense que c'est mort. Ça roule beaucoup trop vite. Il m'a bloqué là. On va prendre une petite roue quand même, Boigny. Ça peut être pas mal. On arrive. Le dernier kilomètre. La flamme rouge est juste devant. Je vais pas me précipiter. On va se précipiter quand même là. Parce que là, il y a quand même pas mal de monde qui est passé devant. Ouais, mon petit Bardet. On va gratter de la place. Oh là là, comment ça arrive vite, Bossenhagen et tout là. Et voilà, fin de la course. Bon bilan. Hein. On a failli même gagner la course. Hein. Enfin, on a failli finir en solitaire avec Perrault. Ça n'a pas tenu, hein, dommage. En tout cas, voilà. Et on va voir ce que ça a donné pour le meilleur sprinter et les points qu'on a pris pour la montagne. Tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Et donc voilà pour l'étape d'aujourd'hui, Kittel la remporte devant Greipel et Cocard. Christophe finit quatrième. Pour ce qui est donc du général, donc ça ne change pas, hein, vu que c'était une épreuve tranquille et que ça finit au sprint, ça n'a pas changé. Bardet toujours premier devant Froome et Contador. Meilleur grimpeur, Perrault toujours premier. On a pris quelques points aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. On a pris 9 points. Ce qui nous permet d'accentuer notre avance sur Ulissi. Meilleur sprinter, toujours Greipel. Greipel, il a 20 points d'avance sur Kittel. Mais Kittel revient un petit peu dans la course. Barguil, toujours meilleur joueur. Meilleur jeune. La Sky, toujours meilleure équipe. Dumoulin, toujours meilleur combatif. Même si Perrault, je pense que d'ici quelques courses, risque de le doubler. Enfin, surtout en montagne. Et donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Niveau récupération, c'est bien. Ça récupère bien. Perrault un peu moins que les autres, mais c'est bien. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Et donc voilà, demain, petite étape, hein, encore une étape assez plate. Carcassonne-Montpellier, 162 km. Étape réservée surtout aux sprinteurs, hein, avec un final qui risque de finir donc en sprint massif. Donc c'est tout pour aujourd'hui pour cette 10e étape. J'espère que ça vous aura plu. Portez-vous bien la famille. Je vous dis donc à demain pour Carcassonne-Montpellier. Allez, ciao la famille.